Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous retrouver pour le programme d'été de TV Liberté. Aujourd'hui, à l'occasion d'un Zoom d'été, je vous propose de partir à la rencontre de l'auteur de La France de Campagnol, Christian Combaz. Il est interrogé par Floriane Janin. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce Zoom d'été. Et aujourd'hui, pour égayer un peu vos vacances, eh bien, on retrouve Christian Combaz. Christian Combaz, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si ça va suffire à égayer vos vacances, mais on va essayer. Écoutez, c'est le programme de TV Liberté pour combler justement vos petits parcours estivaux. En tout cas, on aimerait bien revenir un petit peu, Christian Combaz, sur votre parcours personnel. Comment est-ce que vous êtes arrivé à TV Liberté et quel a été un petit peu votre parcours de vie ? D'abord, j'étais écrivain, etc., journaliste au Figaro, et puis un petit peu en disgrâce au Figaro, et je croise Martial dans une assemblée assez vaste, à Béziers, et je lui dis, voilà, j'aimerais bien faire ce que le Figaro m'a refusé, c'est-à-dire une chronique villageoise. Il m'a dit, je suis preneur, mais il faut que vous soyez bon à l'écran. Donc là, il y a eu une semaine de test, visiblement c'était convenable, et voilà, et donc ça fait quand même presque 3 ans que ça dure. – Oui, semble-t-il, les téléspectateurs sont assez ravis. Est-ce que vous pouvez nous présenter, au cas où, si jamais il y avait quelques personnes qui se seraient perdues par ici, nous présenter un petit peu votre chronique qui s'appelle « La France de Campagnol ». Alors, La France de Campagnol, c'est un vieux concept qui est né d'un livre qui s'appelait « Jean de Campagnol » paru en 2012 dans l'indifférence absolument générale, y compris celle de son propre éditeur, qui me l'a consenti du bout des lèvres. Donc, au début, ça devait s'appeler « Éloge des braves gens ». Mais le terme de « braves gens » a été jugé populiste, même par mon propre éditeur. Donc ensuite, j'ai proposé ce thème au Figaro en disant, en accompagnement du livre, ce serait pas mal de faire une fois par mois une chronique sur la France d'en bas, la France qui a du mal. Le Figaro m'a dit, mais c'est carrément misérabiliste, c'est pas du tout l'esprit maison. Alors bon, ça c'était en 2013-2014. Ensuite j'ai fait du Figaro Vox, c'est-à-dire c'est la marge d'en dessous. La partie ouverte du Figaro. Voilà. Alors que j'étais quand même éditorialiste avec Zemmour 10 ans avant. Hein. Donc j'ai consenti à rester sur la marge d'en dessous pour rester populiste et proche de la campagne. Ça a duré 2-3 ans avec 2014 et 2015, facile à vérifier, recordman de clics uniques sur un article chaque année. Et j'ai été remercié à la fin 2015 pour avoir été probablement trop sévère envers certains ou peut-être trop réaliste. Et voilà, donc du coup, vous avez atterri sur Martial, TV Liberté. Martial m'a permis de continuer. Chaîne libre, indépendante et ouverte, ce qui est très important. Est-ce que vous avez, alors on sait que c'est les vacances, mais à la rentrée, vous allez sans doute reprendre en forme de bonheur et de bonne humeur. Et est-ce que vous avez des nouveautés à nous annoncer? Oui, alors ce n'est pas une nouveauté, c'est je fais une sorte de bouquet d'artifice final, parce que je dois avouer à ceux qui me regardent que j'ai prévu d'arrêter à Noël. Ce qui nous met assez loin, et arrêter sur quoi ? Sur une espèce de resserrement de profession de foi un peu globale en faveur de la localité, la localité au sens moral et au sens territorial, à propos des municipales, puisqu'on sera à 3-4 mois des municipales. Je vais donc résumer pendant les numéros de rentrée, donc ça fait quand même 3 ou 4 mois de quotidienne, tous les problèmes qui peuvent affecter la sphère municipale, les associations bidons, le blanchiment d'argent dans le cadre d'une ville moyenne. Il se trouve que j'ai rencontré récemment un élu d'une ville moyenne du sud de la France. – Qui vous fera donc un excellent nouveau personnage de campagne. – Absolument, il est déjà en route, la semaine prochaine on le voit, c'est le mari d'une de mes amies et qui s'est proposé, mais ça c'est la vérité, de balancer un petit peu sur une ville moyenne dont il a été l'élu pendant 15 ans. Donc je vais montrer à quel point ça fait mal et où ça fait mal pour éventuellement que ça change un peu la fois prochaine. Oui, et vous aurez un livre à nous proposer ensuite, une suite de La France de Campagnol. Une suite de La France de Campagnol, c'est quand j'aurai fini mon propre livre, parce que si je m'arrête à Noël, c'est pour écrire des choses pour moi, car c'est mon métier, je me permets de le rappeler. J'ai quand même une trentaine de livres derrière moi et quelques succès dont je vis, puisque je suis retraité, écrivain retraité, et que je jouis d'une retraite convenable, ce qui veut dire que j'ai vendu pas mal de livres dans mon existence. Donc j'espère continuer un peu et écrire un gros livre très littéraire, comme bon, j'étais autrefois dans cette famille des lettres françaises qui s'est beaucoup refermée sur des valeurs Télérama, mais je continue mon chemin.
Sans transition, on va passer de la retraite au petit questionnaire avec une première question qui sera « Que souhaitiez-vous faire à l'âge de 10 ans ?» Ce qui vous amène du coup à il y a un certain temps. Je vous réponds, évidemment, je souhaitais être écrivain. Je dis évidemment parce que c'est une époque où on désirait les lettres et ce pays un peu enchanteur. Et ça remonte à des choses très précises. Quand j'étais malade, je forçais souvent les grippes pour pouvoir rester au chaud et aux soins de ma mère, donc entre 9 et 10 ans. À la 10 tête ans, contre le radiateur. Non, parce qu'on me mettait généralement sur le lit de mes parents. Et sur le lit de mes parents, donc 9-10 ans, avec la bouillotte et tout ce qu'on veut, il y avait la bibliothèque au-dessus du lit, avec tous les livres de poche de l'époque, les Alba de Céspedes, il y avait François Sagan, il y avait toute la littérature des années 50-60, Philippe Heriat, tout ça. J'ai donc dévoré entre 10 et 15 tous les grands romans de cette époque de la littérature populaire. Bernard Clavel, etc. Donc c'est venu de là. J'ai voulu leur ressembler parce que j'adorais ce monde de l'imaginaire. Nous n'avions pas la télévision. On l'a eu quand j'avais 13 ans, je crois. Mes chers parents qui nous regardez, vous aurez compris qu'il vous faut une bibliothèque bien fournie si pour l'éducation de vos enfants. Si vous voulez un enfant écrivain, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir une bibliothèque qu'une télévision. Hein. D'ailleurs, les livres, c'est un peu la liberté, mais pour vous, précisément, quel est quel symbole de liberté alors, pour vous représenter? On en a un peu parlé avant. Effectivement, je me suis posé cette question, mais elle est facile il est facile d'y répondre dans mon cas. La liberté, pour moi, ça a toujours été le vol et le vol libre. J'ai fait un peu de pilotage à moteur, mais c'est pas vraiment la liberté puisque vous dépendez d'un aéroclub, d'un registre de procédure. Donc, je fais du vol libre depuis très longtemps, depuis le début pratiquement, et puisque j'ai perdu ma licence de pilote 2-3 fois. Et donc, je fais deltaplane d'abord et surtout parapente depuis 20-30 ans. Je suis l'auteur de l'un des premiers manuels grand public de parapente paru en 91. Vous le trouvez sur internet en livre d'occasion qui s'appelait Parapente. Et voilà. Et donc ça a toujours été une passion. C'est une passion qui a atteint maintenant des sommets puisque le matériel est tellement efficace et les pilotes un peu plus aguerris qu'on va carrément se promener sur le Mont Blanc. Quand je dis sur le Mont-Blanc, c'est que certains d'entre nous s'y posent en basket à 4 h de l'après-midi. – En le frôlant ?– Non. En se posant ?– On se pose en basket, pas moi. Moi, j'avoue que j'ai plus l'âge, parce que je n'ose pas m'imaginer dans la position de celui qui redécolle. Et si je rate le redécollage, je suis à la fois ridicule et peut-être mort d'ailleurs. mais vous trouvez sur YouTube des gens que j'ai bien connus et qui se sont posés à 25 ou 30 un soir d'été, un jour d'été 2012 ou 2013 sur l'arête du Mont Blanc et qui ont fait une grande photo de famille. Et moi, je faisais partie de ceux qui volaient autour et qui filmaient. Mais on était à 4005. On était à 4005. Vous aviez tenté le parachute? Non, bizarrement, non. Non, non. Non, la chute. Mais pour moi, j'ai écrit un livre sur Léonard de Vinci. Le vol est pour moi une des composantes de l'imagination humaine, qui est toujours évidemment mêlée à la liberté par nature. La liberté d'imagination, la liberté de cartographier les paysages, ce que faisait beaucoup Léonard. Je pense qu'il y a une famille d'esprits, dont je fais partie, qui aime voir les choses d'en haut. Et donc, dans le cadre du vol. C'est au fond vivre son fantasme, mais je le vis encore très fréquemment. Très fréquemment, oui. Y a-t-il une qualité particulièrement louable à vos yeux ? Eh bien, c'est le contraire de la qualité du défaut que j'exècre le plus. Donc, je pense que vous allez me poser la question du défaut aussi. Une réponse pour deux questions. Voilà. Et j'adore les gens loyaux, c'est-à-dire ceux qui pensent ce qu'ils disent et font ce qu'ils disent. Et s'ils changent d'opinion, d'avis ou surtout d'intention, vous avisent, tiens, écoute, malheureusement, j'ai changé d'intention. Ce que je hais et ce qui est très actuel, c'est des gens qui vous disent oui parce qu'ils pensent non, qui vous disent oui parce que c'est pour vous chasser, qui vont faire non tout de suite après. Donc c'est l'essentiel de la politique d'aujourd'hui. Vous voyez que le comportement de Macron depuis le début, c'est ça. C'est je ne vends pas Alstom, mais en fait, je suis en train de le vendre, etc. C'est systématique. Donc, ça infeste la vie sociale. Il n'y a que ça désormais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de gauche en vous ? De gauche en moi, on ne dit pas de gauchiste. Alors l'année dernière, je répondais, et je creuse cette, parce que c'était la même question, le cerveau gauche, qui est le cerveau de la raison,
de la raison, du raisonnement un peu mathématique. Et c'est la fameuse boss. Alors, bizarrement, je croyais que je ne l'avais pas, je l'ai quand même. Mais comme mon père l'avait beaucoup, j'ai prétendu ne pas l'avoir, ce qui veut dire que j'ai vécu une existence de poète, en quelque sorte, de la connaissance, papillonnant, n'ordonnant pas vraiment ce que je savais. Et ça commence à venir, parce que je m'aperçois que j'avais une nature quand même de cerveau gauche aussi. Mais la chose amusante qui les marie, c'est la musique, puisque j'ai été un enfant dressé à faire du cerveau gauche, c'est-à-dire du cerveau solfège en musique. J'ai pris la poudre d'escampette, y compris maintenant, et maintenant je fais de la musique sans lire aucune partition, et ça va 50 fois plus vite. Mmh. C'est-à-dire que, bizarrement, en musique, le cerveau droit, celui qui imagine avant d'apprendre, est dominant, et au fond, ça se voit très bien. Il y a des enfants de 4 ans qui ne peuvent pas avoir, appris ce qu'ils savent. Et même à 60, il y a des choses qu'on sait sans les avoir apprises. Et ça, la musique en fait partie. Alors, ce qu'il y a de droite en vous, je suppose que ce n'est pas la partie droite du cerveau. Alors, la partie droite du cerveau, c'est celle qui imagine tout le temps et elle reste quand même malheureusement très dominante. Donc, je suis de nature très désordonnée, mais un désordre fécond, parce que la mémoire vient là-dedans. Donc, évidemment, ça donne, s'il n'y a pas du tout de cerveau gauche, c'est-à-dire raisonneur, ça donne des gens délirants. À certains moments de ma vie, je l'ai un peu été, mais ça, c'est la nature de l'artiste. Mais là, maintenant, ça commence à s'équilibrer. Je suis à la fois raisonné et rêveur. Voilà. À propos de rêve, y a-t-il une citation, pardon, qui vous fait particulièrement rêver ou qui vous inspire ? Ben, c'est marrant, c'est amené par le sujet précédent. Marcel Proust disait, à la fin de son œuvre et de sa vie, chaque jour, j'accorde moins de prix à l'intelligence. Et je trouve que c'est un propos très, très facile à comprendre quand on est dans nos âges, dans nos positions, quand on est artiste, c'est-à-dire rêveur. Si on est un artiste trop intelligent, on n'est plus un artiste. Paul Valéry, Jean Rostand. Et si on est un artiste pas assez intelligent, eh bien, ça donne Virginie Despentes. Y a-t-il une boisson qui vous permet de retrouver la joie ? Et étonnez-moi, vous allez me dire que vous la buvez au bar de Campagnol ? Écoutez, honnêtement, pour avoir de l'inspiration pour vos chroniques ? Toutes les boissons me donnent de la joie. Je suis, heureusement pour moi, je ne suis pas alcoolique. C'est-à-dire que je n'ai pas d'appétit particulier pour l'alcool, mais je n'ai pas de répulsion non plus. Je bois très volontiers, mais pas tout le temps. Mais quand je bois, j'aime beaucoup cette atmosphère d'euphorie, enfin mutuelle, pas mutuelle, mais collective. J'aime bien ce bain on ne peut pas dire que je sois inhibé, mais j'aime bien la désinhibition des autres. Voilà. Il faudrait un personnage qui vient de l'Est, qui s'appelle Modération, comme ça vous pourriez boire avec lui. Non, mais mon personnage qui vient de l'Est, il existe, il s'appelle Vladimir, et c'est un jeune qui a été importé à l'âge de 6 ou 8 ans par sa mère, qui a épousé un éleveur de chez nous, et maintenant le gamin a 27 ans, et il est remarquable, il est très russe, il voit l'avenir de l'Europe, il voit que l'avenir passe par la Russie, je m'en inspire assez souvent. Je le fréquente moins que je ne le dis dans la chronique, parce que voilà. Mais... Alors, des vacances idéales pour vous ? Celle-là, celle que je vis en ce moment, c'est-à-dire des sandales le matin, le chant des oiseaux, un premier café à 6 heures, un deuxième à 8 heures avec du monde au café d'en bas, le premier étant pris tout seul devant l'écran de l'ordinateur. Vous arrosez les plantes sur le balcon, les plantes en bas, vous allez voir au jardin si votre arrosage automatique est sorti, vous en profitez pour sortir le chien pour le laisser au jardin. C'est un emploi du temps délicieux, parce que c'est celui des moines dans leur couvent avec leur jardin, parce que ce côté routinier, ce côté très plaisant physiquement, la nature est très belle, le village est très beau, ça apaise l'esprit, ça permet de réfléchir à plein de choses, et il y a cette extraordinaire possibilité d'internet deux fois par jour, où vous avez la grande vitesse qui vous permet de télécharger n'importe quoi, n'importe quel texte qui vous fait plaisir, c'est vraiment, et je le précise, je le dis, de commander n'importe quel objet qui vaut 2,50 €, à la place du droguiste qui ne les a plus ou qui dit il faudra la commander, mais en fait il vous le commande jamais, alors que mes voisins maintenant me disent tu veux pas voir sur Amazon s'il n'y a pas ça,
Et donc, je leur rachète la chose à 4 euros et ils me payent une bière pour me remercier. Donc, c'est vraiment... Je pense que Amazon a été quand même, pour ces pays étouffés dans la campagne, un énorme ballon d'oxygène. – Vous ne pensez pas au contraire que ça a tué… – J'avais fait une chronique sur ce sujet. Je pense qu'Amazon tue les villes, tue le commerce des villes et réveille les campagnards. Les campagnards n'avaient rien, de toute façon, ils n'avaient pas de commerce. Et quand ils vont à la ville voisine, les gens sont scandaleusement dilettantes et leur disent « il faudra le commander, puis vous l'aurez dans 3 semaines ». Dans ce cas-là, je leur réponds « mais attendez, s'il faut le commander, moi je le fais demain et je ne l'ai pas dans 3 semaines, je l'ai demain ». Et en plus, c'est 2 fois moins cher. Donc moi, je m'adresse à vous parce que je veux faire vivre le commerce local, et vous me regardez avec mépris en disant si on a le temps, vous l'aurez dans 3 semaines. Donc c'est ça, le commerce local en France ne fait pas son métier, enfin pas assez. Je rêve d'un jeune homme qui, par exemple, prendrait un entrepôt au coin de mon pays et commanderait pour les vieux, à ma place d'ailleurs, chez Amazon, pour les vieux du coin. Parce que souvent, ils n'osent pas donner leur carte bleue, ils ne connaissent pas les démarches. Je pense que pour n'importe quel petit bout de tuyau ou petite vis, c'est quand même le salut. Bref. Mais bon, en tout cas, en tant que campagnard, je ne peux qu'approuver. En tant que citadin, j'ai pratiqué aussi, c'est un peu l'enfer. C'est l'enfer pour les concierges. Parce que ça accumule les colis dans les loges des concierges qui ne sont pas du tout payés pour monter les colis. Bref. En tout cas, vous avez compris, Christian Combes vous vend les vacances retraites, mais quand même avec un bouquin de prévu, les chroniques qu'il écrit tous les jours. Donc c'est quand même un petit peu plus sportif que ça n'en a l'air. Ouais. Dernière question, Christian Combes, qu'est-ce que vous lisez sur la plage? Écoutez, la même réponse que l'année dernière, encore accentuée. Je lis tout, et tous les vieux textes, et tout ce que je n'ai pas pu lire quand j'avais 17 ans. Pourquoi? Parce que je pratique le Kindle, alors pas de pub pour Amazon, mais il y en a plein d'autres, mais moi j'ai un Kindle, parce que c'est étanche, parce que j'ai 14 000 livres, non peut-être pas 14, 8 000 livres à l'intérieur, et ça va du best-seller en anglais aux œuvres de Vauvenargues, à tout Proust, tout Balzac, tout Zola. Et alors vous allez me dire, quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt déjà, c'est que vous achetez tout Zola pour 1 € sur Amazon, vous le téléchargez dans votre petite chose silencieuse et vous pouvez le lire sur la plage. Alors quel est l'intérêt de lire le Zola sur la plage plutôt qu'un livre de poche? Ben, d'abord, si vous voulez lire tout Zola, il faut emporter tous les Rougon-Macquart, ça fait beaucoup. D'autre part, j'attire votre attention sur le fait que quand vous commandez un livre à 1 €, une œuvre à 1 € de Balzac par exemple sur Amazon, quand vous l'avez, vous pouvez chercher une occurrence, un mot, une notion chez Balzac, dans tous les livres de Balzac, et ça vous fait 8 pages de réponse, prenant le mot amour ou le mot vieillesse. Eh bien, la vieillesse est citée, mettons, 48 fois par Balzac dans 48 passages que vous voyez, et vous voyez à chaque fois comment il en parle. Et vous en déduisez une attitude globale de Balzac sur la vieillesse. Et ça, c'est un travail de haut professeur de littérature dans ma jeunesse. Il fallait aller à la BN, il fallait faire des recherches textuelles. Là, c'est pratiquement un presse-bouton. Et c'est sur toutes les œuvres. Donc c'est vraiment un outil formidable pour ça. Et en plus, il y a un âge que j'ai atteint où on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'aller acheter des livres, de les consulter longuement. Je suis devenu un zappeur, un dévoreur. Je lis tout ce que je n'ai pas pu lire avant. Voilà. Christian Combes, à la retraite, mais quand même moderne. En tout cas, on vous souhaite de très bonnes vacances. Merci. Mais là, elles ont tendance à s'allonger un peu, puisque je suis retraité et habitant du Sud. Voilà. Bon, eh bien, de bonnes vacances au chaud, en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne journée à tous. Parmi les invités emblématiques de TV Liberté figure sans nul doute Philippe Devilliers. Au cours d'un entretien réalisé en 2015, le fondateur du Puy du Fou évoque son ouvrage « Le moment est venu de vous dire ce que j'ai vu ». J'ai été un homme politique, je ne le suis plus, ma parole est libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va être entendue. C'est-à-dire que tout ce que je peux dire aujourd'hui, de conversations privées qui figurent dans ce livre, je ne pouvais pas le dire quand j'avais l'obligation de réserve, quand j'étais un homme politique. Mais surtout, la parole d'un homme politique, elle est suspecte. Je suis aussi libre que je l'étais quand je me suis exprimé, j'ai écrit 20 livres, y compris sur les abeilles, sur l'islamisation de la France, les mosquées de Roissy, etc. Ces livres était un peu lu, il n'était pas cru. Ma parole aujourd'hui, elle n'est pas suspecte. Elle est reçue pour authentique. Pourquoi?
Rien n'a changé, je dis la même chose qu'avant. Sauf que je ne suis plus un homme politique. En d'autres termes, c'est très intéressant à observer, pour quelqu'un comme vous qui est un observateur averti de la vie politique, c'est que la parole politique au sens électoral, au sens partisan, n'est plus entendue, n'est plus écoutée, elle est suspectée, parce que le pouvoir n'est plus un service mais une consommation, alors que la parole métapolitique des Zemmour, Onfray, Régis Debray et tant d'autres, de toute sensibilité, elle est sollicitée, elle est accueillie, elle est guettée, elle est crue. Donc ça veut dire qu'en fait, la politique, la vraie politique, a quitté la politique. Tout autant que le pouvoir n'a plus le pouvoir. Quand M. Hollande nous dit « voilà ce qu'on va faire demain », il ment. Il ment. Comme Sarkozy. Pourquoi ? Parce que depuis 30 ans, depuis le traité de Maastricht, ils ont remis leur pouvoir. Un bout à Washington, un bout à Bruxelles, un bout à Francfort, un bout à Genève. La potestas, le pouvoir de gouverner, a été remis à Bruxelles. L'auctoritas est chez Ruquier. Donc il ne reste rien. Il ne reste plus que le roi est nu, si l'on peut dire. Il reste le casque et le scooter, si vous me permettez. Une métaphore un peu audacieuse. Voilà. Et donc en réalité, ma parole, elle est libre, je peux tout dire, je peux révéler des choses que je ne pouvais pas révéler quand j'étais dans la vie publique, tout simplement parce que j'étais pressé par le temps et que c'était pas le moment. Par exemple, la présidentielle truquée de 1995. C'est-à-dire qu'il y a des candidats en face de moi qui avaient des comptes truqués. Ces comptes truqués ont été validés par le Conseil constitutionnel. C'est monstrueux. Je révèle dans ce livre comment on achète les sondages, comment on achète les élections, comment les hommes politiques sont achetés, comment les médias sont manipulés, comment la France est islamisée d'une manière volontaire. Et je crois même que sur ce sujet-là, j'aurais pu aller plus loin. Je me demande si l'islamisation de la France n'est pas un projet des hommes politiques, toutes catégories confondues, par haine de la France chrétienne. Bon. Donc, mes révélations, elles font suite à des combats que j'ai menés depuis l'affaire Urbain en 1990, Maastricht, jusqu'à aujourd'hui. Sauf que c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis tout et je n'ai plus aucune retenu. Vous flinguez. Non, je flingue pas. Ah, c'est le camp des liquidateurs qui ont partilié, vous les appelez la crapaudaille. Alors j'étais regardé ce que la crapaudaille, c'est un terme. Flinguer. On se dit c'est joli, c'est un terme qui vient de Vendée, peut-être. On se dit c'est un joli petit terme, puis vous avez quand même la canaille derrière, quoi. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous avez réussi à être suffisamment éloigné de cette canaille? Oui. Oui. Ben, oui. Ça a bien été mon drame. C'est qu'en fait, j'ai pris trois distances successives. La première, au tout début, je suis président du Conseil général de la Vendée, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Lettre ouverte aux menteurs et coupeurs de tête du bicentenaire ». Et là, dans mon entourage, on me dit « t'es foutu, t'attaques le mythe ». C'est-à-dire que j'explique qu'il y a un gène exterminateur dans le principe même de la Révolution. On ne s'en relève pas, je ne m'en suis jamais relevé. Surtout le vicomte vendéen, fils de militaire, c'est la guillotine tous les 30 ans. Voilà. Après, je lance une campagne, vous n'en souvenez pas parce que c'est trop jeune, sur l'affaire Urba. Je suis détenteur des cahiers à spirale qui montrent qu'en fait les socialistes truquent les marchés publics. Il y a tout un système de raquettes avec les grandes surfaces. Bien. Il y a tous les noms. Moi, je monte à la tribune contre le garde des Sceaux, que j'appelle le garde des Sceaux, Nallet, et en fait, je révèle que Mitterrand, que la campagne présidentielle de Mitterrand a été payée par de l'argent sale. Mais je vois la droite apeurée qui se tourne vers moi, qui dit « stop, stop !» Et donc, en fait, je comprends que c'est Urba et Orbi. Et deuxième décalage, deuxième prise de distance, c'est-à-dire qu'on dit « là, c'est le mouton noir ». Et il y a même
Michel Dornano qui vient vers moi avec gentillesse et qui me dit, avec une vulgarité dont il n'était pas coutumier, « Tu sais, Philippe, ce que disait ma grand-mère, quand on va dans le tête à gorée, on ressort plein de merde. » Je dis, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire que forcément, tu vas y laisser des plumes. Tu verras les pots cassés. Et puis la troisième prise de distance, que vous avez connue, j'imagine, je me souviens, oui, c'est Maastricht. Là, c'est la naissance du clivage qui grandit, souverainisme, mondialisme. Voilà. Et donc, j'ai toujours été en décalage et en résistance. Et je vous rappelle une phrase de Marie-France Garraud. Elle m'a dit un jour, au moment de Maastricht, il faut vous habituer à être un paria. Finalement, pourquoi? Parce que dans le système de la Ve République, c'est un manège. Il y a le centre du manège avec les forces centripètes et puis il y a les forces centrifuges. Dès que vous vous éloignez du centre, vous êtes pris dans les forces centrifuges qui vous éjectent. Vous êtes aux marges. Et tous ceux qui ont tenté d'aller vers les forces centrifuges ont perdu pied, ont été éjectés. Et vous le saurez comme les autres. C'est ce qui m'est arrivé. Et puisqu'il était question de Christian Combaz il y a quelques instants dans notre rubrique Orage de papier, la nouvelle librairie évoque Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos par Christian Combaz. Je voudrais vous présenter le coup de cœur du libraire, le portrait de Marianne avec un poignard dans le dos de Christian Combaz. Les téléspectateurs de TV Liberté connaissent bien Christian Combaz puisque c'est la France de Campagnol, hein, la douce France assiégée et qui résiste. Hein. Le livre avait paru il y a un an en version numérique, hein. Il paraît en version papier avec assorti de quantité de nouveaux chapitres. Hein. Alors on n'est pas obligé d'aimer Marianne pour aimer ce livre, hein. On n'est pas obligé d'aimer le bonnet phrygien de Marianne ni son buste républicain. Et du reste, la Marianne dont Combaz fait le portrait est morte, hein, puisqu'elle est passée à l'échafaud, et elle aussi est un personnage d'ancien régime, hein, puisqu'elle a été découpée par les élites remplacistes. Hein. Et le grand sujet de ce livre, c'est le grand remplacement. Mais le préalable au grand remplacement, c'est le grand remplacement des élites. Hein. Et Christian Combaz nous livre le portrait des élites françaises, hein, qui depuis les années 50, les nouvelles élites françaises, qui depuis les années 50-60, hein, ont imposé un nouveau régime, hein, un nouveau régime festif, hein, depuis Neuilly-sur-Seine, dit-il. Pour lui, Neuilly-sur-Seine est l'épicentre du monde. C'est là que les jeunes Nicolas Sarkozy et François Hollande était au lycée Pasteur de Neuilly, ont fait leurs études et ont grandi. C'est là, à Neuilly, que la troupe du Splendide a commencé à se faire connaître, toujours depuis le lycée Pasteur. Et selon Christian Combaz, c'est pas selon, il la connaît très bien cette élite, puisqu'il a été chroniqueur à Valeurs Actuelles, chroniqueur au Figaro, chroniqueur à l'Express. Il a fait quantité de voyages de presse, quantité de missions à l'étranger. Donc il connaît très bien cette élite remplaciste. Et le propre de cette élite, dit-il, hein, c'est qu'en réalité elle n'est pas tant gauloise que francophone. De fait, elle est francophone parce qu'elle a un oncle au Liban, elle a une tante en Égypte, dit-il, hein, elle a un cousin en Suisse, hein, un demi-frère ou une demi-sœur qui est résident au Monégasque, hein, donc de fait elle est française, de papier elle est française. Il n'y a absolument aucune dimension raciste dans le portrait que dresse Combaz, hein, simplement un constat sociologique, hein, c'est une nouvelle élite qui a pris le pouvoir en France dans les années 70, à travers en particulier Valéry Giscard d'Estaing, et surtout François Mitterrand. Tout commence avec Giscard, résident à Chamalières qui est la Neuilly-sur-Seine de l'Auvergne. Hein, et Christian Combaz poursuit cette progression des nouvelles élites, hein, en particulier au cœur de la Mitterrandie et de ce personnage qui était François Mitterrand, dont il dit que moralement il chaussait du 38, hein, formule magnifique. Hein, et on croise dans ces allées du pouvoir, hein, tous les personnages de la Mitterrandie, c'est-à-dire Jacques Attali, la morgue techno de Jacques Attali, le costume trois pièces, hein, de Laurent Fabius, hein, l'insignifiance grossièrement épicée d'Éric Orsenna. Bref, la Nouvelle France en train de se déployer et dont Combaz retrace la progression. À eux tous, hein, tous ces personnages de l'élite, hein, ils ont inventé un nouveau français, un français de synthèse. Hein. L'original sortait d'un film de Gérard Houry, Le Nouveau Français sera l'image
pixelisée de séries de télévision américaines. C'est là que Christian Combaz fait son constat implacable, c'est qu'avant de remplacer un peuple, il faut remplacer les goûts du peuple, les représentations du peuple, les traditions du peuple, les prénoms du peuple. Après quoi, naturellement, après cette amnésie programmée, il est possible d'orchestrer un grand remplacement. Mais Dieu merci, les peuples européens résistent depuis Rome, depuis Budapest, depuis Moscou et depuis Compagnole. Il est rare de trouver un tel naturel dans une langue, et ce naturel chez Combaz, il est éclatant. Il faut vraiment le lire, c'est une prose heureuse que le malheur des temps a fait querelleuse, et on ne saurait trop vous le recommander. Évidemment, c'est également l'occasion de retrouver les meilleurs dessins d'Ignace. Dans le cadre de Bistro Liberté, notre dessinateur illustre à sa façon le candidat de l'Eurovision, Bilal Hassani. Bilal Hassani, victime des préjugés, toutes les blondes ne sont pas des pétasses. Je vous remercie d'avoir suivi ce programme d'été. On se retrouve tout l'été sur TV Liberté. Et n'oubliez pas que vous avez rendez-vous avec la rédaction de TV Liberté et son journal télévisé dès le lundi 19 août sur tvliberté.com.